Shalom, là où tu es, bienvenue dans ton programme de C'est pour moi, s'approprier, déclarer, partager la parole de Dieu. N'oublie pas, ne te décourage pas. Je suis dans Acte 27, le verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Ici, je suis venu parler à quelqu'un pour dire que lorsque Dieu te promet quelque chose, il va le faire textuellement comme il te l'avait dit. Et il arrive de fois lorsqu'il nous a déjà parlé et que sur le chemin, il y a la tempête qui se lève. Et on se dit finalement, est-ce que c'était Dieu qui avait parlé? C'était mes pensées. Je suis venu tout simplement te rassurer sur la chose-là que Dieu t'avait dite. C'est-à-dire les phrases, les mots qu'il t'avait dit ce soir-là, dans cette matinée, à cette réunion de prière, lorsque tu étais seul à la montagne, ça va se faire comme lui avait dit. Ne te décourage pas, n'aide pas Dieu, n'aide pas Dieu. Ne pars pas chercher du secours en Égypte pour dire que ça commence à tarder. Non, n'aide pas Dieu, laisse Dieu faire parce qu'il en sera comme il t'a été dit. Pourquoi est-ce que le découragement vient? Parce que tu as comme l'impression que c'est trop haut, c'est trop grand, c'est trop profond. Tu penses que tu réfléchis à la manière des hommes. Tu réfléchis avec ton petit cerveau. Comme mon petit cerveau, je peux aussi commencer à dire, est-ce que vraiment ça va aller? Ça m'est arrivé, bien-aimé. Je venais te dire, ne te décourage pas. Parce que la promesse est à la hauteur de ton Dieu. La promesse est à la grandeur de ton Dieu. Ici, Paul est en train de rassurer toutes les personnes qui étaient dans la barque pour dire, malgré la tempête, rassurez-vous, ne te décourage pas. Parce que cette tempête ne va pas t'avaler. Que Dieu te bénisse.